Le bilan est plus que satisfaisant et on remercie le bon Dieu qui nous a permis de vivre ces instants-là. On a attendu, le peuple a souffert pendant 13 ans. Le CNSP est venu libérer ce peuple-là. On les a accompagnés depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 30 jours. On est tout à fait satisfait des actions qu'ils ont eu à mener, des accords qu'ils ont eu à dénoncer et des décisions qu'ils ont eu à prendre, dont entre autres le départ illico facto des Français et de l'ambassade de France du Niger. Le départ de leur ambassadeur, qu'ils sachent que c'est une décision de tous les Nigériens, parce que le CNSP aujourd'hui représente tous les Nigériens. Et si vous le constatez, le CNSP est appuyé et encouragé, si vous voulez, soutenu par tous les Nigériens. Donc, dans ce cas de figure, on n'est pas au 18e siècle où il faut nous imposer ou nous dicter ce qu'il faut faire. Non, c'est notre indépendance qui est là. Et je crois que si le CNSP prend une décision, elle doit être respectée. La France doit savoir que ce n'est plus vraiment l'ère coloniale. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et la France doit apprendre à respecter nos idéaux si elle veut que les choses partent ensemble. The region is employing other elements of its instruments and engaging with the military authorities. We are hopeful that these diplomatic efforts will yield the desired outcome and make it unnecessary for the deployment of the force. Nonetheless, preparations continue towards making the force ready for deployment.